Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo émotion, vidéo nostalgie. On profite du déconfinement qui se fait peu à peu sur Bruxelles et bien sûr aussi de notre flexibilité au niveau des horaires du boulot pour une nouvelle vidéo extérieure. La dernière que l'on avait faite sur les traces d'Hergé, de Tintin, nous avait vraiment plu de sortir, de se promener, de causer cinéma. On s'est dit on va relancer le truc, on va se faire une autre vidéo pour quelque part cette fois-ci aller sur les traces mais de mon enfance à moi. Cette vidéo commence ici à Saint-Gilles, la barrière de Saint-Gilles pour ceux qui sont bruxellois, ils reconnaîtront sans doute l'endroit. Andrés va faire quelques photos du coin. Et donc l'idée de cette vidéo, c'est de refaire le chemin de chez moi à la maison où j'habitais jusqu'à ce fameux cinéma de quartier dont je parle souvent dans les vidéos, dont j'en parle énormément Andrés depuis que je le connais. Donc voilà, l'idée c'est de retourner à l'endroit où j'habitais, la maison où j'habitais, de faire le chemin avec lui tout en causant cinéma, en parlant anecdotes pour se retrouver devant ce qui reste de ce cinéma qui est à l'abandon. Donc voilà, je propose à Andrés de faire quelques petites photos du coin ici et on se retrouve devant chez moi à faire un grand bond dans le temps. On arrive vraiment dans le quartier, donc je t'invite à me suivre Andrés, donc caméra à l'épaule, tu viens. Donc toutes les photos là que tu viens de filmer, les gens prendront ça franchement comme des photos anodines, mais en fait c'est des endroits qui ont vraiment compté énormément dans mon enfance, et bon, les proches, les familles comprendront très bien toutes ces photos que tu viens de prendre. Donc voilà, on arrive ici maintenant à ce qu'était le quartier. Waouh! Ça fait un coup, hein. Avance, avance. Ça fait un coup, hein. Donc c'est là-bas tout droit. Grave, grave, quoi. C'est juste la porte. Ici, il y avait déjà un pote qui habitait à l'époque. Un Polonais, je me souviens. Et c'est juste là. Le plus beau balcon, il n'a pas changé. Enfin, quand je dis qu'il y avait un pote qui habitait là, il y avait des potes un peu partout, quoi. Donc ici, tu as habité à partir de quel âge, moi, je suis né. Enfin, je suis pas né ici véritablement, mais je. T'as grandi ici. Tous mes souvenirs d'enfance sont là. Donc tu vois le balcon avec. C'était pas cassé à l'époque. Voilà. C'est là que j'habitais. La couleur de la porte n'a pas changé, mais la poignée bien. Le 58. Ah, ils ont le numéro. Ah non, si, c'est le numéro. Non, tu le vois encore. Oui.
Et ici à côté, c'était une boîte d'horlogerie. Mes grands amis habitaient juste ici à côté. Et on s'asseyait souvent sur ce banc, on parlait cinéma déjà. On s'asseyait sur le coin là. Non, juste là. On s'asseyait tellement causé jusqu'à des heures à en pas finir la nuit qu'ils en ont mis un. C'est vrai, ils ont bien. Bah oui, bah. Ouais. Quand on faisait du bruit ou quoi? On parlait, c'était interminable quoi. Il y avait la famille qui sortait. Les châssis aussi ont changé. Enfin, le but de la vidéo. C'est de faire le petit chemin que je faisais à l'époque, donc je t'en parle tellement depuis si longtemps. Donc on va aller faire le chemin, tu viens? Voilà, c'est ce chemin-là que tu prenais pour aller... De mes souvenirs, d'abord avec ma mère, ensuite avec mon frère, et au fur et à mesure avec les copains, hein, tous les potes. Ici, c'était un magasin d'alimentation à l'époque. Tu rentrais par ici, c'est devenu une maison. S'ils tombent sur la vidéo, mes vieux amis, hein, les Kamals, Nabil, Imad, compagnie. Ça, c'était notre magasin de bonbons où on faisait le ravitaillement général avant de partir. Le petit magasin dans le coin là. Ouais. C'est quoi maintenant? Non, c'est devenu une maison, comme on dirait. Voilà, c'était le magasin. Ça s'appelait chez Dolph, ça, ici à l'époque. Magasin de bonbons, confiserie, glace. Et bien sûr, mes premières collections d'images et compagnie. Hein. C'était une librairie ou un. Non, c'était un magasin, une confiserie. Ah, okay. C'était bonbons, glaces, boissons, quelques petits jouets, collection d'images. Alors à l'époque ici, tu te réunissais avec tes copains et. Bah, je te dis, ici au début. Et les rendez-vous se faisaient comment? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien du tout, tu vois. C'était dans le quartier, hein, on se voyait. Il y en avait un ou deux qui avaient un vélo, descend une fois voir qu'est-ce qui passe au Movi, et puis voilà. Quoi. Ah, t'envoyais un voir ce qu'il y avait en affiche. Ah, ben voilà. L'autre, viens, suis-moi. L'autre partait pour voir les films à l'affiche et il revenait avec les infos, quoi. Mais non, c'était tout le temps les dimanches qu'on allait, ça c'est clair. Et je me demande l'horaire. Tu vois, l'horaire, je me souviens plus des masses de l'horaire. Ça devait être vers les. Je pense que c'était vers 15h. Vers 15h. Donc tu demandais à un pote d'aller voir et. Ça, et après vous faites comment avec les parents? Ça aussi, ça a toujours été considéré chic dans le quartier, tu vois un peu la différence. Hein. Ouais, tu vois un peu ce que. Ouais, c'est un peu mieux que. Que d'où je viens. Mais je te dis, moi, les premières. Les premières soirées. Les premiers films, c'était avec ma mère tout petit, donc le premier. Pouf, je m'en souviens pas, mais manifestement, ça a dû être un Disney. Donc, dans mes souvenirs, Bernard et Bianca ou Merlin l'Enchanteur, un des deux, je pense. Et puis, à partir de là, tout ce que tu peux t'imaginer, et plus encore, hein, j'ai eu la chance de voir à l'endroit dans ce cinéma où on va aller des perles que. Je n'avais pas l'âge d'aller voir, quoi. C'était impossible, quoi. Tu sais, tout le monde ne peut pas dire aujourd'hui qu'il a eu la chance de voir les 10 commandements, Ben-Hur. Oui, c'est des films qui vont pas passer, quoi. Ah, là, ouais, tu t'imagines bien, hein, Ben-Hur, Covadis, tous ces péplumes sortis, qui ont des films qui ont été oscarisés et tout, avoir la chance de se dire, j'ai vu ça, sur grand écran. C'est top, quoi. Et puis, évidemment, le gars, il trouvait les films pour les enfants. C'était terrible. Hein. C'était tous des films... Et donc, le monsieur, il s'appelle comment, en fait? Figure-toi que le nom de ce monsieur, je ne l'ai jamais su. Je n'ai jamais su le nom de ce monsieur.
On l'appelait gentiment Tournesol. Parce qu'il ressemblait. Oh, parce qu'il était petit, un peu chauve et avec une barbichette et des lunettes. Donc, Ah bah voilà. Enfin, des lunettes, ouais, je pense qu'il avait des lunettes. En tout cas, à une époque, ouais, il avait des lunettes. Ah, on l'appelait, en plus, il venait en deux chevaux. Bah, voilà, hein, le truc était vite fait. Et bien, on va peut-être aller au soleil où je mets la veste parce qu'il fait un peu frisqué. Ouais, et bon, bah voilà, il avait le bon feeling pour trouver les films. Hein. Je te dis, j'ai vu donc, l'effet plume, et puis évidemment, toute la. Enfin, toute. Non, jusqu'à un certain point, quoi. Je pense que c'est jusqu'au retour du Jedi, la première trilogie Star Wars, les Superman de Christopher Reeve, les Dents de la Mer, Jaws, le premier épisode, les Rocky jusqu'au 3, je pense, au 2, enfin le 1 et le 2, je l'ai vu ici. Puis des tas de trucs comme les Bud Spencer et Terence Hill, quelques comédies françaises. Ça a l'air d'être tout bête comme ça, mais c'était des comédies françaises qui marchaient du tonnerre. Le coup du parapluie, la 7e compagnie. Donc tu as eu un bon catalogue rétro, même si ce n'était pas. Ah ouais, non, c'est ça que je veux dire. C'était chaque fois des vieux films par rapport à ce qui était à l'affiche à l'époque. Hein. Il n'y avait pas les moyens de payer un gros titre pareil, quoi. Ouais. C'était. Après, je me souviens aussi que cet homme-là, il faisait des séances pour adultes. Attention, quand je dis adultes, entendons-nous bien. Pas des. Mais j'ai en souvenir d'avoir vu encore les affiches le jeudi soir, il faisait ça, je pense, pour Emmanuel, le film érotique. Emmanuel, il l'avait passé dans son cinéma. Donc, c'était un truc. Bon. C'est aussi de la production un peu là pour adultes. C'était pas que pour les enfants et les familiales, quoi. Ah ouais, non, c'était. Il y avait pour tous les publics. Hein. Il y avait pour tous les publics. Le dimanche, c'était les enfants. Et voilà, et c'était vraiment système garderie, hein. Il faut dire les choses comme elles sont, hein. C'était la grosse ambiance. Hein. Voilà, rue des Moines, ce qui veut dire que pour moi c'est un bond dans le temps de, je sais pas, la dernière fois que je suis passé par ici c'était en voiture. Il y a quelques années déjà, j'ai vu que l'écriteau était encore là. Et donc, voilà quoi, le truc c'est de. C'est une vidéo qui n'intéressera peut-être pas à beaucoup de personnes, mais moi je tenais vraiment à garder un souvenir de ce qui reste encore de cet endroit. Donc. Ouais, parce qu'il l'a fermé en fin de compte. Enfin, il m'avait raconté. Il a fermé et puis. Le Bruxelles, donc Bruxelles Capital avait acheté le local pour en faire un local pour jeunes et tout. Donc, j'étais persuadé. Enfin, je sais pas. Peut-être que tout est par terre maintenant. Bon, j'espère vraiment qu'on retrouve encore des traces de ce qu'était le cinéma. Que les travaux n'ont pas encore commencé. En tout cas, l'abattage du cinéma n'a pas encore commencé. Ça serait bon signe, hein. Mais bon, on va voir ce qu'il en reste. Là déjà, je vois que quand tu filmes là devant, il y a encore les spots. Ah bah ouais, viens par ici. Oh, c'est génial, quoi. Rien que pour ça, ça valait la peine de venir, Andrés. Ah ouais, je le vois déjà. Enfin, je le vois. Oh. Vous le verrez un peu plus tard, malheureusement. Le temps d'arriver jusque. Mon Dieu. Oh, et on a de la chance, les barrières sont ouvertes, figure-toi. Allez. Les barrières sont ouvertes. Oh là 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 là. Là, c'est top émotion, quoi. Les barrières sont ouvertes. Movie Club. Franchement, on a du pot parce que tu vois que les écriteaux sont encore là. Et oui, on les voit. Et en plus, c'est ouvert. Ça, c'était le garage. Donc, on va aller à un monsieur. On va demander si. Bonjour. Ça vous dérangerait beaucoup qu'on prenne juste une petite photo en bon. Avec plaisir, mais le cinéma est dans le noir.
Donc, c'est un... Bon, on va, je vais rentrer. Ah, on pourrait carrément rentrer. Oui, on va rentrer, mais c'est dans le noir. Oh mon Dieu. Ah, ouais. Parce que, en fait, le cinéma est fermé depuis 2011. On est en 2020, ça fait 9 ans que c'est fermé. La région de Bruxelles-Capitale vient de racheter le cinéma. Oui, c'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo aussi. Et moi, je suis l'expert conservateur. Oh, c'est-à-dire que mon rôle, c'est de remettre en route le cinéma. Ça serait donc... Ça va redémarrer un cinéma en 2024. Mon Dieu. Donc, pour l'instant, on a fait une étude, ce qu'on appelle une étude stratigraphique. C'est pour connaître le code couleur. Par exemple, vous allez voir ici, numéro 27, vous avez dans toute une série d'étiquettes qui vont permettre de revoir la couleur. Donc on voit ici par exemple que le hall d'entrée était en 1934 dans le côté un peu vraiment restauré. Et en 1950, il était bleu clair. Nous, on a pris comme période de référence 1950, donc ce couloir va redevenir bleu clair. Comme à l'époque. Le granito, ça c'est d'origine 1934. En fait, on a deux cinémas. On a le cinéma de 1934, qui était un cinéma avec un écran petit centré au milieu de la salle. Et puis le cinéma des années 50 avec un écran large. C'était le cinémascope. Ah, avec donc, les rideaux. Les rideaux qui vont s'ouvrir. Tout ça, on est en train de restaurer. C'est magnifique. Et donc, le but est de proposer en 2024, pour les 90 ans du cinéma, sa réouverture. Dans le décor d'origine de 1954. Donc ça va être vraiment magnifique. Vous lui faites le cadeau de son anniversaire et tout ce que vous voulez. Vous pouvez ouvrir la porte vous-même. Ça a été mon anniversaire il y a la semaine dernière. La semaine dernière. C'est le plus beau cadeau. Allez, ouvre la porte. Je vais sur Hakim ouvrir la porte. Mon Dieu. Allez. Voilà, je vous précède. Waouh. Quelle merde. Qui est un directeur technique projectionniste. Oh, c'est bon. Génial. Bonjour. Et ça, c'est des photos de... Alors là, c'est... Ah, oui, c'est là, des photos d'après-midi. Ils font un pilote. D'accord. Regarde ça, la caisse. Va te mettre à la caisse pour dire bonjour. Mon Dieu, quel cadeau. Wow. J'ai connu ça. Quel cadeau. Bon, je t'attends ici, hein. C'est bon, je vais voir la main. Voilà, là, on fait une photo de là. Ça. Oh. Fais une photo. Attends, laisse-moi faire. Voilà. Ça, c'est une belle. Donc, nous, on a envie de pouvoir accueillir certains jours de la semaine des jeunes cinéastes, des écoles, des formations, et donc, justement, pouvoir donner un grand écran avec un projecteur de haute résolution pour que tous les films qui soient faits souvent dans des situations un petit peu d'urgence puissent être montrés aussi sur grand écran. C'est génial. Alors, on va aller voir la salle. C'est magnifique. C'est un beau projet. On s'attendait pas du tout à. Alors voilà le logo, le M du Movi surmonté de sa couronne, ouais. Parce que le Movi c'était le roi des cinémas. Le roi des cinémas et il avait tout pour plaire. Venez voir ici. Comment s'appelait le monsieur qui était là? Pierre Violette. Et nous on l'appelait affectueusement Tournesol Violette. Voilà, regardez ici. Je ne sais pas vous l'éclairer, il est marqué magnifique. Le Movi Forêt, le roi des cinés, monte vers le succès. Tout pour plaire. Ah, on va s'en approcher un peu. Je vois les larmes. Oui, ça c'est. Et son bar, il avait. Le bar, je l'ai démonté. Il était ici le bar. Mais, donc voilà. Le il venait d'un cinéma aussi, je pense. Il vient de Victory Rue Neuve. Ouais. Non, du Mogador. Mogador, c'était chaussée de rue de Bailly. Ouais. Mais le but est de revenir dans le décor de 1954. Donc le décor de 1977, on le démonte. Mais on refait la période 1957, c'est un choix. Et on pouvait choisir 34, 54 ou 77. 77, bon. C'est l'état actuel. Mais ça ne fait que des années. Et le but est d'arriver à être aussi beau que le Mirano, que le Marignan. C'est un cinéma qui est très très beau avec une voûte aux étoiles. Donc il y a une voûte aux étoiles, toute bleue, bleu nuit. Ah, c'est un plafond étoilé. Un plafond étoilé, les rideaux jaunes qui s'ouvrent. Alors malheureusement, il est dans le noir, mais avec une pause longue. Ouais. Vous pouvez peut-être avoir. Mon Dieu! Oh, voilà, avec. Ouvre la porte de Hakim ici. Si tu mets une 450 à prix laser. Ça, les amis, c'est un bond dans le temps, mais. Oh mon Dieu! Mais donc, on n'a pas de lumière, mais bon, il faut pouvoir imaginer. Mais on voit déjà les chaises. On voit les chaises. Je vais essayer avec ta lampe. Ah, avec ma. Parce que là, j'ai. On s'attendait. J'ai essayé de brancher la lumière. On s'attendait pas du tout à. Bon, on voit déjà un peu. Et il y avait un balcon, hein? Oui, un petit balcon, ouais. On voit un peu. Oh.
Voilà, donc il faut... C'est du urbex carrément, les gars. c'est dans le noir, mais si vous revenez peut-être tout à l'heure, il y aura une projection. Oh, magnifique. Oh, purée. Si vous revenez dans une heure ou quoi. Parce que là, on est avec les techniciens en train de... Venez voir au balcon. Oh, c'est hallucinant. C'est le plus beau cadeau. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quel choc, quoi. Ma mère, quand on va voir ça, la famille, les proches. Et donc toi, tu as des, Joachim, donc toi, tu as des souvenirs ici au cinéma? Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu as comme souvenir dans ce cinéma? Ici, moi, j'ai la chance. Après, pour être un peu dans la lumière. Ici, j'ai la chance d'avoir vu Covadis, Ben-Hur, Les Dix Commandements. Ça, c'est dans les années... Les années 70. Les années 70. Fin des années 70, milieu des années 70, fin des années 70. La première trilogie de Star Wars. Les Disney, hein, Bernard et Bianca, Merlin l'Enchanteur. Et à ce moment-là, il y avait du monde dans la salle quand tu venais. C'était plein. Et tu habitais le quartier, toi? Mais là, on vient de faire le chemin en live dans la vidéo. Tu l'as rue du Croissant ou... Rue Gustave Devenet. Rue Gustave Devenet. Ouais, rue Gustave Devenet, on descendait d'abord avec ma maman tout petit. Donc c'est le cinéma de ton enfance? Ouais, c'est moi. Ça, moi, franchement, c'est... Chaque fois que j'y pense, j'ai des photos. On a fait une petite vidéo. On a fait une vidéo à voir. T'as des photos de toi ici au cinéma? Non, j'en ai malheureusement à l'époque. Parce que je cherche des témoignages, des gens qui ont connu. Oh, ouais. Si on pouvait réunir, tu vois, des témoignages. Ici, pour moi, c'était le cinéma de quartier. On a fait même une petite vidéo sur. On avait trouvé un reportage avec l'ancien propriétaire qui racontait. La vidéo de 1967 de Sylvie Sasson. Elle est géniale. Elle est géniale. Elle est géniale. Et donc, le Jean-Louis Houssa est l'ancien directeur de cette salle. Ouais. Et dans cette vidéo, venez voir, je vais vous montrer la dernière note de service qu'il a laissée ici. Il est décédé, le monsieur? Oui, il est mort en 77. Oh. Et ici, on a... Ah non, moi, c'était un autre, alors, après. Hein. Ah, alors, un autre, Pierre Violette. Qui venait avec une deux chevaux. Oui, lui, il est encore en vie. Oh, c'est génial. Oui, voilà. Ici, je trouve que c'est assez extraordinaire. On a instruction de service d'ordre intérieur. Tu vois? L'animateur doit être présent au moins un quart d'heure avant l'heure des séances qui actuellement sont à 18h en semaine et 14h le dimanche et jour férié. Le samedi, l'opérateur sera présent. Tu vois. Alors après, formellement interdit à l'opérateur de procéder à des réglages, plus souvent des réglages, des appareils sonores en cas de panne de son. Il s'en référera d'abord à la direction. Le travail de l'opérateur est limité à l'entretien et au nettoyage, jamais au dépannage. L'opérateur doit travailler en collaboration très étroite avec la direction, de manière à fournir un travail en tout point impeccable. Il ne prendra jamais exemple sur d'autres établissements, car le Movie de Forêt est un cinéma qui possède ses directives propres. Oh. Tu vois? Et donc, il y a plein de vieux trucs comme ça. C'est ça, Vlad. Ben voilà, ça c'est vraiment le bon dans le temps. Hein. Là, c'est franchement, j'ai envie de dire plus de 30 ans plus tard, je suis assis de nouveau dans ce qui était, je vous appelais, mon cinéma, quelque part aussi un peu. Quoi. C'est génial ce qui nous tombe dessus là sur cette vidéo. Je vous assure que c'est pas du... C'était pas du tout organisé. C'était pas du tout organisé, c'est vraiment le destin. Et ouais. C'est génial, franchement c'est génial. Maintenant, est-ce qu'on va le revoir un peu allumé? Mais bon, rien que ça, j'aurais payé pour être assis. On en parlait pendant des heures. Comment est-ce que ça serait à l'intérieur? Et je génial. Vois, c'est la classe. C'est génial, quoi. Ouais, tu prends. C'est ce côté arène que j'adorais aussi, tu vois, c'est arrondi comme ça. On voit que c'est courbé comme ça. Tous les fauteuils, bizarrement, en super béton. Désolé pour la qualité, mais on s'attendait pas du tout à tout cela. On va voir si on peut... Il y avait un piano. Ouais. C'était vraiment les photographes.
Et là, on peut voir. Tu peux monter un peu vers le haut pour voir. Et l'écran est donc les rideaux. Hein. Le fameux rideau qu'on voit. Quand on arrivait ici à la salle, les rideaux étaient fermés. Et puis il y avait une tradition dans ce cinéma, c'est trois coups de klaxon, les rideaux s'ouvraient, le film démarrait quoi. Donc, le générique c'était magique. Ils avaient un générique et tout. Non, le générique des films. Ah, le générique des films. Générique, mais il y avait un klaxon, c'est papa, papa, ouais, c'est comment ouais, peut-être qu'il a encore, on n'en sait rien. Moi, ça, c'est les bobines d'époque. Voilà une photo du monsieur que j'ai connu, le propriétaire. Ah, une photo de... Ah ouais, ça, c'est vraiment une photo. Une époque, attends, on va voir si on peut voir. Mmh. Si tu disais que c'était... Mmh. Monsieur Tournesol, c'est ça? Ouais, ce genre l'appelait affectueusement. Faut l'attention, il y a trop de lumière. Wow, t'as vu la machine ou quoi qu'il y a derrière? Ah, ça c'était... T'as vu le bal? Oh, on voit le cinéma là, on voit le cinéma. J'avais même pas vu, je suis... Ouais, ouais. Wow, comme il est beau. Ouais, ouais. Eh ben... C'est hallucinant. Toi, t'es entré, mais je vais voir ce que c'est. C'est la cabine où tu étais avant, tantôt. Ouais, les tickets. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est... Il y a un moment donné où on laisse filmer et on ne parle plus, quoi, parce que c'est... Ouais, moi, je découvre, tu vois, c'est vraiment un saut dans le temps.
Retour vers le futur, tu vois. Ouais, non, mais c'est... Moi, j'ai l'impression de ça, c'est, tu vois, c'est Retour vers le futur. C'est des dimanches après-midi magiques, c'est... Et je tiens à préciser, je le dirai encore avant la fin de la vidéo, rien n'était préparé à l'avance. C'est... On le croit pas. Juré, rien n'était préparé à l'avance. On est arrivé, on a de la chance, le couloir est ouvert, on va pouvoir faire des photos au moins jusqu'au couloir. Et voilà, on vous ouvre les portes de mon cinéma d'enfance, de fond en comble. C'est... Franchement, un cadeau d'anniversaire, c'est... La semaine dernière, c'était mon anniversaire, c'est le plus beau cadeau que j'ai reçu. C'est magnifique, et c'est même pas fait exprès, c'est hallucinant. Ben, on va remercier ce monsieur, comme il se doit. Et ça, évidemment, ces portes, c'était un rêve de la retoucher de l'intérieur. Quoi. Par rapport au projet de Quelle la rencontre des deux mondes, c'est pas mal d'avoir... Magnifique. Franchement. Magnifique. C'est quelque chose que je rêvais de revivre au moins une fois, de retourner dans ce cinéma, de redécouvrir cette ambiance. Ça a vraiment été un grand moment, immense moment vidéo pour moi. C'est inespéré, c'est génial d'immortaliser ça parce que c'est toute mon enfance qui ressurgit. Et bon, finalement, cette vidéo, ce n'est pas... un hommage à moi-même, c'est surtout un hommage à ce bâtiment et à ce monsieur qui l'a entretenu. Quoi. C'est vraiment magnifique. En hommage à ce que j'ai connu ici quand j'étais gamin. Tu as connu la salle. Il passe et la grille est ouverte. Et la grille n'est jamais ouverte. Jamais. Non, justement, il m'avait dit qu'il avait passé il y a trois semaines, je crois. Quand j'étais très jeune. Fermé. Voilà, tu vois, ça c'est la salle que nous, notre petite salle qu'on fait. Elle est chouette. Ouais. Les ciné-clubs reviennent. Ah, c'est génial. Voilà. Ça fait trop longtemps. Ouais, c'est bien. Voilà. Et moi, avec tapis rouge. Et alors, on rend chaque fois hommage au film parce qu'on a sa petite amie qui bricole à merveille. Donc, et si vous projetez en DVD en Blu-ray. En Blu-ray. En Blu-ray. Ils ont quand même de la haute définition. Ah, mais c'est bien. Il faut l'acheter. C'est une soirée, les familles arrivent avec les enfants. Et je le dis souvent, j'essaye de recréer les ambiances qu'on a connues ici. Quoi. C'est tous les dimanches. Bah écoutez, je vous téléphonerai de temps en temps pour prendre. Il y a les travaux qui vont commencer. Ouais.
tout le temps, il y a des trucs comme ça. Nico, le plastibule, on n'en a plus, hein. En haut, parce qu'alors je dois... Il me semblait que j'avais bon, je te dis au revoir. Au revoir, salut. Un immense merci, et je téléphonerai de temps en temps prendre des news. Voilà, le hasard fait vraiment trop bien les choses. Je suis comblé, je le dis, je le répète, je l'ai déjà dit dans la vidéo, ce n'était pas préparé du tout. On est venu ici juste pour filmer une partie du cinéma, montrer à ce que cela ressemblait à l'époque, documenter la vidéo avec quelques photos, et voilà, on tombe sur le futur propriétaire qui nous annonce en plus qui va rénover le cinéma, qui devrait réouvrir en 2024. Je suis comblé, on a changé les coordonnées. Il y aura sûrement une suite à cette vidéo, une deuxième partie avec les premiers essais, les premières images de, j'ai envie de dire aussi, de mon vieux cinéma qui va renaître de ses cendres, c'est le cas de le dire. Donc il y aura une suite à cela, photo bien entendu sur notre groupe Facebook également, ce qui nous amène directement à la conclusion. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi personnellement, je ne réponds pas à une question idiote, je n'ai pas adoré, j'ai adulé, je suis vraiment extasié de ce que j'ai vu. Ça paraît tout bête comme ça, mais c'est vraiment accomplir un de mes rêves, que je rêvais de retourner dans cette salle, ne fût-ce qu'une fois dans ma vie, et peut-être qu'on y retournera si tout va bien, si Dieu le veut, en 2024 pour voir un film. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, un tout gros like. Si vous n'êtes pas abonné et que vous voulez rentrer dans la famille, on attend que ça. Venez, vous êtes de plus en plus nombreux. Vous pouvez également nous retrouver sur Instagram, notre groupe Facebook, et éventuellement aussi dans la rubrique commentateur Amazon. Pardon. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo extraordinaire. Moi, j'ai vraiment adoré. À très 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 bientôt, et à très bientôt peut-être ici déjà aussi pour la suite de ce cinéma qui renaît. Salut. Il y en a.